changer votre style de conduite, nettoyer votre voiture plus souvent. Donc, ce n'est pas la chose plus facile de faire tous les jours. Mais si vous devez... Ah, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la législation européenne du code de la route, tu te dois d'avoir tes vitres, tes phares propres. Ça, c'est obligatoire. On te l'apprend au code de la route quand tu passes ton permis de conduire. Donc ça, bien sûr, avec le sel, ça crée une eau trouble, une eau grasse qui va se déposer sur les phares, sur les rétroviseurs ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, avec le dégivrage, maintenant toutes les voitures sont équipées de dégivrage et des rétroviseurs, ça accentue ce côté opaque, donc une visibilité réduite. Donc c'est là-dessus qu'il faut vraiment nettoyer. Absolument conduire, je vous avais préparé quelques petites astuces pour la conduite pendant l'hiver. Entretenez le jour de la base de roulement de votre pneu. Assurez-vous qu'ils ont la bonne pression. Surtout, il faut bien faire attention à la pression à froid ou à chaud, c'est deux choses différentes. Voir déjà si le véhicule est équipé de pneus neige ou pas. Alors bon, bien sûr, le pneu neige est efficace en dessous de 7 degrés. D'accord ? Donc ça, les gens ne le savent pas forcément, mais un pneu neige, c'est vraiment quand il fait froid, mais pas que quand il y a de la neige ou on va dire du verglas. Mais ça évacue aussi beaucoup plus la pluie. Donc sachant qu'en hiver, il pleut beaucoup plus qu'en été. Donc bien faire attention si c'est un thermogomme, donc si c'est un pneu hiver ou 4 saisons ou un pneu été, c'est bien sûr des choses différentes et une conduite après qui va être complètement différente. Un pneu été sur tout ce qui va être neige, verglas ou quoi que ce soit va être limité, et avec les tailles qu'on a en ce moment sur les voitures, donc là c'est du 19 je crois de mémoire sur la TK, c'est des pneus de plus en plus larges et donc moins efficaces sur la neige. Ce qu'on va demander sur la neige, c'est un pneu le plus étroit possible, d'accord, donc le moins large possible pour avoir une surface d'appui le plus important sur un endroit assez réduit, d'accord. Un pneu été, ce qu'on va demander, c'est l'inverse. On va avoir une surface d'appui de surface au sol qui va être le plus large possible et le meilleur, qui va créer une adhérence le plus optimal pour des conditions d'été. Donc ça, c'est la différence entre pneu hiver et pneu été. Pour que le système de chauffage et refroidissement de votre voiture fonctionne correctement, pensez-vous d'avoir un galon de lave glace dans votre coffre, parce que pendant l'hiver, tout devient sale plus vite. Le galon, c'est un litre, hein, bien sûr, pour tout ce qui va être plus français. C'est vrai que c'est bien d'avoir toujours un bidon de lave-glace. Alors, bien faire attention sur le lave-glace. Il faut prendre du lave-glace hiver et pas été, parce qu'il y a les deux lave-glaces différents et le taux de gel est différent au niveau de la température. Parce qu'on peut vite descendre en dessous de moins 10, moins 15, des fois en hiver, même ici chez nous. Et sur un lave-glace été, on va le mettre sur le pare-brise et ça va geler complètement, donc ça va être la catastrophe. Bien faire attention, ouais, de l'avoir dans la voiture, à l'intérieur, derrière, qu'on puisse au moins recharger si besoin. N'utilisez pas le régulateur de vitesse. Votre voiture sera moins susceptible d'accélérer rapidement sur la route verglacée s'il est conduite dans la pose inférieure. Alors, surtout, ce qu'on va demander, de ne pas utiliser le régulateur de vitesse, c'est d'être maître du véhicule. Avec le régulateur de vitesse, on n'est pas maître du véhicule. C'est lui qui va gérer l'accélérateur, le frein, qui va réguler la vitesse en montée ou en descente ou quoi que ce soit, ou descendre des rapports tout seul. Parce que des fois, ça peut arriver qu'on est dans une montée ou quoi que ce soit, on est en sous-régime, et puis elle va descendre des rapports pour pouvoir donner l'impulsion nécessaire pour arriver à la vitesse demandée. Donc c'est surtout là-dessus, on veut être maître du véhicule et garder le 100% contrôle du véhicule. Avant de vous déplacer, assurez-vous de nettoyer la neige et la glace des vitres, du phare, du toit et du capot. Faites attention à la glace noire. Elle se confond avec la couleur de la chaussée. La glace noire, c'est du verglas, des plaques de verglas. C'est ça, je pense, la glace noire. Je pense que ça peut être là-dessus que c'est vu. Alors, ce qu'il faut savoir sur une route, enfin sur une conduite de neige, il faut toujours avoir les yeux sur le sol pour voir et lire la route. Il faut lire la route constamment. Il faut regarder si justement il y a des plaques de verglas, s'il y a des traces de freinage, parce que si ça glisse, on peut avoir des traces qui vont tout droit, des gens qui vont tout droit ou quoi que ce soit. Donc ça permettra d'anticiper justement la glisse et de tomber sur des plaques de verglas comme c'est dit. Particulièrement
particulièrement dangereuse car elle est difficile à repérer et bien sûr on peut glisser beaucoup sur elle. Assurez-vous également que vos failles sont propres et en bon état de fonctionnement. Alors normalement tout ce qui est xénon ou LED, on a, c'est obligatoire sur les voitures, des projecteurs de lave-glace chaud qui sont chauffés, qui est LED et xénon. Xénon, LED, maintenant feux normaux, normalement c'est pas obligatoire. Donc c'est surtout sur ces feux-là qu'il faut vraiment faire attention à ce que ce soit bien propre et surtout pas de fissures ou quoi que ce soit sur les glaces lisses des phares. Vérifiez votre batterie avant les mois les plus froids. Ça sera pas sympa de rester sur la route froide. Le circuit de charge d'une batterie, il y a deux choses qu'il faut qu'on vérifie, c'est la batterie et l'alternateur. L'alternateur, c'est ce qui sert à charger la batterie en roulant. D'accord ? Donc quand on ne roule pas, c'est sur la batterie qu'on va prendre, mais quand on roule, il y a l'espèce d'alternateur, donc quand on va rouler, ça va générer du courant et qui va garder une pression, enfin une tension dans la batterie qui est homogène. Donc quand on vérifie le circuit de charge, on va chez Noroto, on va dans un garage ou quoi que ce soit, il va nous brancher un multimètre sur la batterie pour voir la charge à l'arrêt et aussi s'il n'y a pas une baisse de charge quand on roule. Donc ça va permettre de vérifier les deux choses assez simplement. Connaissez votre frein. Que vous avez des freins de blocage ou non, gardez le talon de votre pied sur le sol et utilisez la pointe de votre pied pour appliquer une pression faire et régulière sur la pédale de frein. Si votre roue arrière se bloque, qu'est-ce que vous devez faire? Retirez votre pied de l'accélérateur. La roue arrière ne bloque jamais sur les voitures, à part si on met le frein à main, parce qu'il y a ce qu'on appelle un répartiteur de freinage qui fait en sorte que on a toujours une force de freinage plus élevée à l'avant qu'à l'arrière. C'est pour stabiliser la voiture et ce qu'on appelle le répartiteur de freinage automatique. Sur toutes les voitures, c'est automatique. Donc il n'y a pas de blocage de roue de derrière. On peut avoir un blocage de roue devant si on n'a pas d'ABS. Ou si on a une ABS, on peut rentrer en régulation ABS. Donc c'est-à-dire que la pédale, on va sentir la pédale qui va mettre comme des à-coups. Et c'est le système qui va travailler dessus et qui va capter qu'il y a une glisse et qui va justement éviter la glisse. D'accord ? Alors, on a ce système ABS. Ce système ABS est fait pas pour ne pas bloquer les roues, mais pour garder du pouvoir directionnel avec les roues quand on freine. Si on n'a pas d'ABS, on freine, on bloque les roues et on peut tourner à droite, à gauche, la voiture continuera à aller de tout droit, elle glissera, on sera dans un phénomène de glisse. L'ABS, elle va nous garder du freinage sur les roues et on va pouvoir tourner avec la voiture et éviter un obstacle. Ça sert à ça, l'ABS. Après, tournez le volant dans la direction où vous souhaitez aller et appliquez une pression constante sur le frein anti-blocage ou pompez doucement le frein standard. Faut jamais pomper, ça c'est vraiment la chose, il faut absolument pas. En fait, ce qu'on va demander sur une conduite de neige, ça va être de la douceur, aussi bien au niveau du volant, dans les mouvements de volant, aussi bien dans les mouvements d'accélération, il faut accélérer toujours doucement pour pas créer de patinage, et aussi bien au niveau du freinage. Donc bien faire attention de ne pas freiner trop fort ou quoi que ce soit pour justement éviter ce blocage de roue ou de la mise en route de l'ABS. Il faut vraiment travailler là-dessus. C'est vraiment de la souplesse tout le temps, même pour les boîtes manuelles avec l'embrayage. Relâcher l'embrayage doucement et prendre le passage de rapport très très doucement. Ne pas monter trop dans les régimes, parce qu'on ne va pas vouloir glisser. On va justement limiter ces accélérations pour pouvoir vraiment avoir une conduite cool et détendu. La chose qui n'a pas été dite aussi dedans, c'est qu'il faut se mettre à l'aise quand on roule. Enlever les grosses vestes, enlever les gants, enlever l'écharpe, enlever tout ça, il faut qu'on soit à l'aise, qu'on ait des mouvements fluides et qu'on ne soit pas bloqué comme ça avec nos vestes pour pouvoir rouler. Si vos roues d'avant se bloquent, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on laisse le volant tourner librement. Après. Jamais laisser le volant librement. Il faut toujours avoir les mains sur le volant et toujours être maître du véhicule et jamais laisser le volant tourner tout seul ou laisser la voiture aller où elle veut. Il faut toujours être maître du véhicule. Ça, c'est vraiment impératif dessus. Il faut jamais subir la voiture. Quand la voiture commence à glisser, si elle glisse de l'avant, donc si on tourne et qu'elle glisse de l'avant, on va, sur la neige, c'est particulier. Tout va dépendre si c'est une traction, donc une traction avant des roues, donc des roues motrices à l'avant.
si c'est des roues motrices à l'arrière ou si c'est des 4 roues motrices. Donc système quattro, 4x4, après ça dépend de... On va avoir une conduite qui va différer selon la philosophie de la voiture. Si c'est une traction, bon, là, 90% des cas c'est des tractions, les voitures. S'il y a une glisse de l'avant, normalement, on doit générer une glisse de l'arrière avec le frein à main. De façon, si on glisse de l'avant, on va basculer l'arrière pour remettre l'avant du véhicule dans la bonne direction. Ça, c'est de la technique. Ça s'apprend sur des pistes de glace ou quoi que ce soit. La meilleure chose à faire si la voiture glisse de l'avant, c'est que vous êtes trop vite. Donc il faut soulager l'accélérateur, prendre les freins, mais vraiment très très légèrement pour ne pas générer un blocage de roue et accentuer cette glisse. Et attendre, toujours en maintenant la bonne direction, que la voiture reprenne du grip et revenir sur la trajectoire souhaitée au début. Bien sûr, on enlève le pied de la pédale d'accélération. Passer au point mort et puis commencer... Le point mort. Alors là, c'est pareil, encore une fois, jamais, jamais, même que ce soit sur neige ou que ce soit en conduite de tous les jours, jamais laisser la voiture au point mort. Ça, c'est, il faut oublier. Il y a des systèmes maintenant qui le font sur les boîtes automatiques, quand on est en efficiency. Quand on roule sur autoroute et qu'on lâche l'accélérateur, elle se met au point mort. On voit les tours qui reviennent au point mort. Ça, c'est un système de récupération, on va dire de consommation, pour baisser la consommation de la voiture. Mais dès qu'on va toucher les freins ou l'accélérateur, hop, elle se remet tout de suite en rapport engagé. Pourquoi ? Il ne faut jamais laisser la voiture neutre, donc c'est-à-dire subir encore une fois la voiture. Il faut toujours avoir une vitesse dedans, il faut toujours avoir une emprise au niveau de la traction de la voiture, donc en accélération ou en freinage. Il ne faut jamais rester sans rien faire et laisser au point mort, surtout sur la neige. Lentement, à diriger votre voiture dans le sens où vous souhaitez aller. Sur le route vert glacé, c'est important de ne pas faire de mouvement soudain. Donc, laissez votre véhicule se ralentir avant d'essayer de reprendre le contrôle. Tu vois, tu le dis, il faut rester calme, il faut rester vraiment détendu. Sur le verglas encore plus, parce que le verglas, on a encore moins d'adhérence. Alors un pneu hiver est plus efficace sur le verglas, mais sachez que sur le verglas, sur de la glace pure, c'est des clous qu'il faut. C'est vrai que c'est ce qui est vraiment efficace dessus, c'est ça. Mais bon, chez nous, c'est des pneus hiver et on n'aura jamais des clous à mettre sur de la glace. Mais voilà, ces résumés-là, il faut vraiment être souple au niveau de la conduite, souple au niveau des mouvements et continuer à rouler et baisser sa vitesse si on glisse. Je vais recommander d'avoir 34 secondes distance de la voiture qui est devant vous. Pendant l'hiver, on enlève cette distance 6-8 secondes. Ça, c'est bien. Alors, on peut le prendre aussi avec les lignes du côté de l'autoroute. Si on roule sur l'autoroute, on a des lignes qui sont sur le côté, des grandes lignes. Alors, en temps normal, c'est deux lignes entre la voiture de devant et sa voiture. Maintenant, on peut l'augmenter d'une ligne, voire deux. Après, c'est en fonction des conditions. C'est toujours pareil. Il faut toujours s'adapter en fonction des conditions. Si on voit que ça glisse, si on voit qu'il y a beaucoup de neige, on va encore une fois anticiper, garder de la distance par rapport à la voiture de devant et faire attention à vraiment ce qui se passe pour anticiper au maximum en cas de gros freinage qu'on puisse freiner aussi. Parce que ça va rallonger forcément les distances de freinage, ça va rallonger le véhicule par rapport à l'obstacle qu'il y a devant. Donc c'est de l'anticipation qu'il faut avoir toujours, mais c'est bien expliqué. Alors en secondes ou en mètres, après c'est chacun son système de mesure. Ici, on doit avoir la distance de 3 voitures, entre la voiture que vous conduisez et la voiture qui est devant vous. Il est également recommandé d'avoir toujours un kit de sécurité dans votre coffre. Et pendant l'hiver, on doit ajouter quelques objets qu'on n'a pas besoin pendant l'été, par exemple. Vous pouvez trouver dans le magasin de spécialité ce genre de kits qui sont déjà faits spécialement pour l'hiver. Alors, ce qu'il faut penser aussi dedans pour l'hiver, c'est une couverture. D'accord. Au cas où, si on est bloqué sur la route ou dans un bouchon ou quoi que ce soit, c'est très important une couverture, de l'eau pour pouvoir s'hydrater, c'est aussi très important. On peut rajouter des petits gâteaux secs ou quoi que ce soit, donc des choses qui ne sont pas périssables, qu'on peut laisser dans la voiture et c'est toujours bien si on est bloqué sur la route d'avoir ça. Après, bon, bien sûr, avoir l'équipement adéquat qui va avec, bien anticiper aussi si on va en montagne.
Si on va en montagne, on est obligé d'avoir des chaînes sur certains cols s'il neige. Des chaînes qui vont être obligatoires, donc on sera obligé de les mettre. Donc bien les préparer dans la voiture de façon à pouvoir les mettre si le besoin y est. Sinon après bon, tout ce qui est kit hiver, ça va être toujours du dégivrage, du liquide d'eau froide, du liquide de la glace hiver, spécial hiver, et puis peut-être une couverture de survie ou quoi que ce soit pour accentuer ce phénomène de chaleur. Ça peut être aussi un petit chauffage d'appoint. Il y a des choses qui se font maintenant avec ça se branche sur l'allume-cigare ou quoi que ce soit, ça permet d'avoir un petit chauffage ou quoi que ce soit si on fait quelque chose peut-être derrière ou quoi que ce soit. Après c'est chacun met comme il veut, mais c'est toujours bien d'anticiper au cas où si on est bloqué, de ne pas avoir froid, de ne pas avoir faim et de ne pas avoir soif. Ça c'est déjà les trois choses principales.